Dans cette vidéo, j'ai exactement 24 heures pour me créer un tout nouveau setup, les gars. Jean-Fils, c'est pas possible en 24 heures. Bien sûr que si, c'est possible. Regardez, vous connaissez ce setup. Ça fait maintenant un an que j'utilise ce setup juste ici pour vous créer de magnifiques vidéos. Et aujourd'hui, ça va changer. J'ai hâte de voir ça, mais je suis sûr que tu vas pas réussir. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars. Je sens que vous n'allez pas être déçus. Il y a Blandine juste ici qui commence déjà à déménager le décor. Moi, je vais déménager mon setup juste ici. Oh, il est trop magnifique. Je vais pas vous mentir que ça fait quand même mal au cœur, mais bon, c'est une nouvelle page qui se tourne. On est parti pour faire un petit timelapse. Bon voilà, on vient de tout juste vider mon setup. Bien sûr, il reste le mur en Lego légendaire de Jean-Fils. Et il est temps. Il est temps de complètement le renverser. C'est clairement le meilleur moment. Regardez dans la pièce, il reste plus rien. Ah si, regardez les gars, il reste mon tableau Jean-Fils que Fortnite m'a envoyé. Tu prends aussi, Blandine? J'espère que vous êtes prêts les gars pour qu'on pète complètement ce mur en Lego géant. Mettez un maximum de pouces bleus juste avant les gars si vous avez hâte de voir le nouveau studio. Je suis sûr ton nouveau setup il va être carrément génial. Oh non les gars, regardez aussi juste ici, il y a le skin opportun qui est enfermé depuis plus d'un an dans cette prison juste ici. Oh non, on va enfin le libérer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts les gars, le moment est enfin venu. C'est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Mais t'inquiète pas, on a le temps, on a 24 heures. C'était clairement l'une de mes expériences les plus incroyables que j'ai jamais réalisées de toute ma vie. D'ailleurs... Ok, d'ailleurs ça continue de tomber. D'ailleurs les gars, je viens d'avoir une idée. Juste ici, regardez, on va par exemple prendre cette brique. Je vais la dédicacer et je vais l'offrir à un parmi vous les gars. Cette brique de Lego, ça fait un an, elle est derrière moi. C'est une pierre de l'édifice de ma chaîne YouTube. Et il y en a un parmi vous les gars qui va la remporter. Et on est parti pour la dédicacer. Voilà, regardez la belle petite dédicace Jean-Fils. Je viens tout juste de lancer un concours sur mon Instagram pour tenter de remporter ce Lego géant dédicacé par moi-même. Il y en a un parmi vous qui va le remporter et qui va pouvoir le mettre dans sa chambre comme décor. Voilà, je trouvais l'idée plutôt sympathique. Merci Blandine qui m'a donné cette idée. Du coup les amis, allez tous sur son Instagram pour participer, parce que franchement les gars, cette pierre de l'édifice est juste extraordinaire. Elle est quand même dédicacée par Jean-Fils. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est parti, direction le prochain setup, parce que bien évidemment je vais m'en faire un. C'est parti, let's go. Et me voici les gars dans mon nouveau setup. Bon là, comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup d'écho et c'est très très vide. Mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, comme je vous ai dit les gars, on va tout changer, on change d'endroit, on va refaire tout à zéro. Regardez cette pièce qui est complètement vide les gars. Pour le moment ça ressemble à rien, mais je vous promets ça va être du très 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 lourd. La première étape les gars, ça va être de peindre complètement cette pièce. J'ai un énorme pot de peinture juste ici. Vous savez quoi, c'est parti. Hop là, voilà les gars. Bon, c'est très sombre, mais la pièce est peinte complètement en bleu foncé, comme vous pouvez le remarquer. La pièce est encore très très vide, mais maintenant que la peinture est faite, je vais pouvoir amener mon setup et je vais commencer à pouvoir faire la décoration. Mais là, on a un premier problème les gars, c'est comme vous l'entendez, il y a un grand écho. Et je pense que vous le savez, faire des vidéos avec un écho pareil, c'est pas possible. C'est pour ça que je me suis procuré les gars, juste ici, des wave panels. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce genre de choses. Ce sont des mousses que je vais pouvoir mettre contre le mur. Ça coûte très cher, mais c'est clairement indispensable dans la pièce où je suis. Je vais installer des mousses sur ce mur. Je vais aussi changer les luminaires. Je vais mettre des spots à la place. Ça, c'est ultra utile dans un studio. On vient à peine de commencer le nouveau setup. Et comme je vois, il ne reste plus que 10 heures avant que les 24 heures soient passées. En 10 heures, c'est sûr que tu vas pas réussir. Bon, Blandine, elle a toujours pas aussi confiance en moi, les gars. Franchement, je vais la calmer direct. Bon les gars, on se retrouve après de longs moments les gars. J'ai de ces cernes. Je n'ai quasiment pas dormi durant les précédentes 24 heures les gars. Et tout ça pour ce qu'il y a derrière cette porte. Je croise les doigts pour que vous kiffez ce qu'il y a derrière. Blandine n'est pas au courant et n'a pas encore vu le résultat. D'ailleurs il y a Nobo aussi qui va arriver à la maison. Et je vais lui faire découvrir mon setup. On va voir s'il va valider ou pas. Du coup les gars, c'est parti. Ah bah je suis bête en fait, y a personne qui va ouvrir la porte, hein. Je dois l'ouvrir tout seul. Je compte sur vous les gars pour mettre un maximum de pouces bleus parce que clairement je suis fatigué, j'ai juste envie d'aller dormir. 3, 2, 1, c'est parti.
Bienvenue les gars dans mon nouveau setup. Regardez ça, c'est pas incroyable, c'est juste magnifique. Oh, je suis tellement content. Avoir eu ce résultat en 24 heures les gars, franchement, c'est une prouesse. Je suis tellement fier de moi. Regardez, c'est juste ici que je vais vous faire les prochaines vidéos dans l'avenir sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais rester ici des années à venir. Clairement, c'est le meilleur studio que j'ai jamais eu de toute ma vie. Regardez ça, si c'est pas incroyable, le décor est juste sublime. Là, on a que trop fait du million d'abonnés les gars, parce que j'ai 2 millions d'abonnés juste ici les gars. Regardez, j'ai quand même gardé le mur de Lego avec Opportun qui est toujours coincé dans la prison. Eh ben oui les gars, c'était obligé. Vas-y, suis-moi juste ici. Regarde, ça c'est d'importance capitale. Mais si trop fait des 100 000 abonnés les gars, parce que oui, j'ai 6 chaînes YouTube avec 100 000 abonnés. Ça fait plaisir et je compte bien en avoir encore plus. Regardez, il y a encore de l'espace juste en dessous. Du coup, les trophées, ils vont arriver prochainement. Ça c'est sûr et certain les gars. Non, je kiffe trop. Je deviens fou clairement parce que j'ai quasi pas dormi les gars. C'est une dinguerie phénoménale. Maintenant il me reste une seule chose à faire les gars. Je vais appeler Blandine pour voir sa réaction. Et ensuite on attendra que Nobo sera là pour du coup avoir la réaction de Nobo. C'est parti. Je suis devant le setup de Blandine. On est parti pour voir Blandine. Blandine. Ah, elle fait du montage. Blandine, j'ai enfin terminé. Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Mais j'ai enfin terminé mon setup. Il faut que tu viennes voir. C'est vrai, t'as terminé? Je pense Blandine, t'es vraiment pas prête. J'ai vraiment hâte que tu viennes hein. Mais chou, j'ai peur. Genre c'est plus en Lego. Si c'est encore un peu à Lego, mais vas-y viens s'il te plaît. Ou pire tu finis ton montage, je te laisse finir ton montage et puis tu viens, ça va? Ok, ça va. Ok, ça va. J'ai trop hâte de voir. Allez, c'est parti les gars. D'ailleurs le setup de Blandine il est plutôt stylé aussi là. Mais il n'est pas aussi incroyable que le mien. Nanou? Oui, bienvenue dans mon nouveau studio Blandine. Les gars, un truc de malade. Est-ce que tu kiffes ou pas? Regarde ça, c'est incroyable. On a même la petite cloche Fortnite juste ici, le petit lamar Fortnite juste là. Est-ce que tu valides ou pas? Bébé, franchement, honnêtement, je trouve que c'est le plus beau décor que t'as fait. Genre, j'aimais bien les Lego avant. Mais ils sont toujours là, les Lego, regarde. C'est un mélange du décor de Michou avec le tien et ton univers. Franchement, j'aime bien parce que j'adore le décor de Michou. Donc franchement, tu t'as géré, mon amour. Merci, mon amour. Tu mets combien sur 10? Franchement, sur 10, vu que rien n'est parfait, je vais mettre 9,9 sur 10. 9,9 sur 10. Ouais, et puis c'est mon setup qui est le meilleur de toute façon. Non, non, je suis pas d'accord, les gars. Il y a Nobo qui va bientôt arriver. On est parti pour voir sa réaction. Let's go. Je suis en compagnie de Nobo. Nobo, derrière, il y a mon nouveau setup. Je veux savoir si tu valides ça ou pas. 3, 2, 1, c'est parti. Tu rentres. T'es sûr, c'est un truc de fou? Oh my god. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie phénoménale? Tu kiffes ou pas mec? Oh, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie phénoménale? C'est carrément trop beau. Attends mais mec, t'as 2 trophées? Mais attends, gros, c'est quoi ça? Juste ici, il y a 6 trophées en plus. Mais mec, la déco est incroyable. Par contre c'est clairement pas fait pour les nôtres. C'est un peu genre, j'arrive ici. Mais attends mais mec, t'as passé combien d'heures à faire ça? J'ai passé combien d'heures? J'ai passé 24 heures exactement pour réaliser ce setup. D'ailleurs comme tu sais, il fait extrêmement chaud à l'intérieur juste ici, c'est pour cela que j'ai acheté une climatisation juste ici, la meilleure du marché. Gros, pour te rafraîchir. C'est une folie, genre vraiment c'est une folie. Par contre ça serait bien dans ma chambre donc... Non, tu touches pas à ça mec. Ok d'accord, je peux pas mal. Gros t'as carrément fait un mur de Lego, genre avec ton skin qui est enfermé dedans mais genre... Mais oui c'est important parce qu'il a dragué ma meuf. Mais il a dragué ma meuf gros. Mais gros mais reste là toi, reste là. Mais gros y avait combien de maçons qui t'ont aidé pour faire ici? Combien de maçons? Ben un, c'était moi mec. Alors la première étape bien sûr c'était démonter mon setup existant. Ensuite je suis venu ici, j'ai peint complètement. Ouais. J'ai monté l'armoire. J'ai remonté le setup juste ici frère, ça va mis... ça va... Tu fais quoi là? Pour dormir le soir, je veux un coussin. Eh mais vole pas mon coussin, t'es un... Ça va, ça va, je te remets directement dans ton setup. Non, franchement, honnêtement, je vais pas te mentir que c'est une dinguerie. Honnêtement, tu veux que je te donne une note sur 10 ou pas sur ouais, ton setup? Ouais, donne-moi une note sur 10. En vrai, okay. Je te donne 9 sur 10. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui te manque pour avoir un 10 sur 10? Un paix. Non, honnêtement, pour que t'aies un 10 sur 10 au niveau de ton setup, tu vois tout le plafond, j'aurais fait la tête de Nobo. Et là, ça aurait été vraiment parfait. Ouais, je t'abuse, mec. Mais genre, tu mets ma tête en jeu en poster. Vas-y, frérot. Bon, les gars, regardez à quoi ressemble mon setup lorsque je tourne une vidéo, si c'est pas incroyable. Tu kiffes ça, Nobo, ou pas? Ok, Nobo, ils volent toujours mes trucs. Bref, les gars, j'espère vraiment que vous avez passé un très bon moment en visant cette vidéo en compagnie. Vous savez bien que c'est tout le but. Et pour un pas, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss. Hey, mon mec, c'est bon, on revient.